Chère famille Saint-Martinoise, je viens vers vous afin d'aborder différents éléments sur l'accueil de vos enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. Deux points sont à éclaircir. La matinée du 2 novembre, qui est consacrée à l'hommage prévu pour Samuel Paty, l'enseignant sauvagement assassiné, et la prise en compte de vos enfants durant la période sanitaire complexe que nous vivons. L'information vient de tomber. L'hommage prévu lundi a été modifié. Il se déroulera non plus en trois temps, mais sera réduit à une minute de silence observée au cours de la matinée. L'accueil des élèves sera assuré selon les modalités et horaires habituels. Concernant ce nouveau mode de confinement, chaque directeur d'école continuera de faire respecter les gestes barrières, le lavage des mains, la distanciation. Ils vous communiqueront le renforcement de certaines mesures, toujours dans le respect des locaux et de leurs possibilités. Ils ont toute notre confiance. De notre côté, le nettoyage des locaux sera renforcé. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dès l'âge de 6 ans. Au cours des semaines à venir, nous vous demandons de limiter la garderie et la cantine, dans la mesure de vos possibilités, évidemment. Moins il y aura d'enfants sur les temps périscolaires et plus nous aurons de chances de réduire la propagation du virus. Vous pouvez compter sur notre présence accrue durant cette période. Je maintiendrai la permanence des affaires scolaires le mardi matin sur rendez-vous pour vous recevoir. Prenez soin de vous et de vos proches.